Hey, salut tout le monde, c'est Zeox, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel, et donc aujourd'hui on se retrouve pour le gameplay sur Zetsubou no Shima, ou en français, voulez-vous du désespoir. Donc voilà, donc on spawn ici, donc dans l'eau, enfin dans l'eau, à proximité de l'eau. Donc on va un petit peu, je vais vous faire un peu explorer la map. Donc là c'est un, on va dire un totem, ou non, une statue où on pose un crâne plus loin dessus. Je vais chercher le seau. Voilà, on a un seau quand on ramasse des graines en tuant des zombies je crois. On les plante dans un rond spécial pour les faire, pour les faire pousser. Pour avoir un bonus dans ces plantes quand elles s'ouvriront. Donc je suis un joueur assez zombie, plus multi que zombie, mais donc on va se diriger vers la boîte magique. Donc c'est pas par là. Donc comme vous pouvez le voir ici, il a la carte, donc nous on est ici et nous on va aller là. Je pense que c'est par là. Ouais. Là c'est, bah c'est ça. On plante les graines dedans. Après on met de l'eau, il sera tout bleu et on attend que ça pousse. Faut que je retue un zombie. Voilà. Ouais, on vient de récupérer une graine. Ouais. Voilà, on a passé la map. Enfin, on a passé la manche plutôt. Voilà. Donc là, on a l'avion qui va se cracher, ouais. J'espère qu'il va pas y avoir trop de zombies. Parce que pour le moment, je suis pas un habitué là de cette map. On va faire une boîte. C'est bon, on va pouvoir faire une boîte maintenant. Dingo, c'est super ça. Ouais, c'est tout à fait mon style, il a raison. Qu'on a récupéré un lasso, on dirait. Je sais pas si on a de l'eau. Oui, on avait de l'eau. On va passer les manches pour rendre un petit peu plus de difficulté pour moi. Donc c'est parti. Donc ici on a une toile avec un atout et je sais pas du tout comment on va ouvrir cette toile. C'est quoi, c'est une test? On dirait un cœur. Il y en a un peu partout. Donc on les mange trois les gens. On a plus de munitions. Ça me fait chier d'utiliser la dingo maintenant. On a une plante. Enfin une graine. On recharge bien évidemment. On va ouvrir cette porte. Donc c'est le laboratoire A. Ouais.
Non, il veut pas le fils de pute. Il fait semblant de pas connaître son mot de passe. Oh, c'est bon, je vais l'acheter. Encore une autre graine. On va essayer de faire un max de choses. On va essayer de rejoindre le lac. Je sais pas du tout où c'est. Là on est au courant. Vas-y Adélie, rejoins-moi. T'as Black Ops 3. Voilà, on y mange 4. Attendez, attendez. On va planter une graine. Donc ici, laboratoire 1. Et juste avant. Faudra s'en souvenir pour les arroser après. D'accord. Ah d'accord, c'est on va appeler ça des plantes. Oh les gens là. Vous avez vu ce que j'ai vu ou pas? Il fait 10 mètres de haut le zombie là. Et pourquoi il fait 10 mètres de haut? Attends, attends, j'ai jamais vu ça moi. Attends, attends, on va faire comment là? Non mais va-t'en hein. On va se faire dégommer là les gens. Il y a trop de zombies là, on est manche 4, on a l'impression d'être manche 10. Ah d'accord, en fait c'est comme un peu un margois. C'est en Shadow of the Evil, mais on doit éclater tous ces sports de... qui attaquent les zombies. Vainqueur. Wow. Regardez un zombie. Je crois que c'est là le lac. Oui, c'est là. Non, c'est pas là. On s'est planté les gens. Je sais pas du tout où on va. Je me balade un peu partout, hein, je découvre totalement la map. On a déjà un saut. Manche des araignées. Mais putain, mais t'es où, t'as plus de... Oula, la parution. Donc regardez, elle est tellement belle, elle est tellement bien faite. T'as sur la vie. Faudrait que je trouve un plan d'une carte. J'ai vu quelque chose à ramasser. C'est de l'eau porteuse de l'élément 115. Ce qu'on a. Je sais pas si on va pouvoir remplir les... de pouvoir nourrir les graines avec. On va voir ça tout de suite. Elevator. On est où? Je pense qu'on doit être là, moi. Ou là. Bah non, vu que on a l'élément 115 ici. Non, on va prendre les chemins qu'on a pris. Ça va être plus facile. Je sais pas si les cœurs ou les choses qui bougent sur les murs, ça se remplit. On est où là?
Je crois qu'on s'est trompé de chemin. Ah non, on est à la case départ. Là, ma manette, elle tremble. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Lâchez-moi, c'est déjà mieux que le pistolet. Oui, un zombie derrière nous. Donc il y a pas mal de zombies hein, déjà. Oh là là les gens, ça commence vraiment à devenir dur là. On en mange 6. Ah bah, regardez où on est. Oh là 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 là. On récupère une graine, on en a deux. On a une bombe. Allez, c'est bon, on va pas se chercher. Hein. On a mis le courant ici. On va essayer d'allumer l'autre bunker. Donc lui c'est de quoi là lui? Ah. On va aller au début. On va essayer de faire vite parce que je crois qu'il y a un temps entre les deux pour allumer le courant. Enfin c'est B, on est là. On va faire ça. Donc je sais pas du tout où on va là. Ah voilà, on a le bunker B. C'est quoi? Ouais. Ouais. Je crois qu'on va pas pouvoir y monter tout de suite. On va changer d'arme hein, parce que hein. Attends, je vais. Les gars, franchement, manchette sur ce map. Il y a beaucoup trop de zombies, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. C'est bon, les gars, on a réussi à allumer le courant. Je suis content. Hein. Ma première partie sur ce map, on a déjà réussi à allumer le courant tout seul. Ouais, lui c'est un peu comme le Margot parce qu'à chaque fois qu'on touche une de ces merdes là, ben encore un peu plus vite. Par contre, il est pas aussi gros et aussi fort. Donc on est mort.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, lâchez un petit like, ça fait plaisir. À commenter si ça vous a plu et à partager la vidéo pour qu'un max de personnes voient cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.